que la bataille. Donc attends, tu me confirmes par contre qu'en étant une centaine à Ratchet, ça laguait déjà. D'accord, donc voilà, Kao me dit que quand ils étaient 30, ils se sont fait attaquer, ça avait déjà quelques freezes. On est en négociation hors d'alliance. Eh bah très bien, merci de cette information, chef de garde. Oui. Ouais, on fait un petit message à Bibli, hein, évidemment. bon, là, bientôt, à tout. Ok. Ok. Voilà. Écoutez, on va officiellement mettre fin à le premier événement pour l'instant. Victoire par KO des serveurs. J'en suis désolé, je suis le premier à regarder ça. Même mort, il n'arrive pas à marcher, le mec. Même mort, il lague, le monsieur. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le mec, il est mort. On est super loin de Stormwind. Voilà. Donc vous pouvez livrer raid. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Attendez, deux secondes. Pourquoi j'ai plus mon chan? J'ai plus mon chan? J'avais créé un chan. Parce que tu t'es fait déco et du coup ça va se faire. Oh putain, merde. Rejoignez. J'envoie les messages. Là. Le macro chan lui aime pas du tout les décos. Yes! Attends, j'ai demandé à Asmodai et à. Comment il s'appelle? À Asmodai et à Ponce de revenir ici. Re-Asmodai. Bon, donc je mets fin. Bon, rebonsoir Asmodai et Ponce. Écoutez, visiblement, dès qu'on est plus de 100 à un endroit, les serveurs ne tiennent pas. Je mets donc officiellement fin à l'événement. J'en suis navré, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lag à travers tout Azeroth là. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont les coups quand ils sont à la gorge du vent brûlant. On a officiellement tué le serveur. C'est avec regret, hein, évidemment, que je prends cette décision. Bah, tant mieux, non, il fallait le faire. Mais voilà. Plutôt c'est fait et plus bizarre ils vont peut-être faire des trucs. Aiske, c'est qui? C'est personne, Flodaver. Et si ça peut rester comme ça, j'en serais ravi. Donc voilà, c'est donc une victoire par KO des serveurs. Et le serveur, voilà, il y a eu des crashs, enfin ça a été l'enfer. Donc, sachez au cas où qu'il y aura un nouvel événement qui est déjà prévu et pensé pour octobre. Voilà. On laisse un peu le temps à Blizzard de souffler, hein, de se dire ok, sur Sulfuron, les mecs sont chauds, peut-être qu'on peut faire un truc, vous voyez, peut-être faire quelque chose. Voilà, donc merci encore à la guilde Jajipe, merci à la guilde des fleurs, merci à toutes les guildes qui se sont joints à nous ce soir, je vais essayer de les faire toutes de tête, à Viandard, Bastards, 13, les fleurs, Jajipe, No Way, Fury des Vents, et sûrement plein d'autres, désolé si j'en oublie, merci à vous tous d'être venus, on a pu tester, merci aux allianceux, putain oui t'as raison Afort, merci beaucoup également aux allianceux d'avoir joué le jeu, d'avoir organisé la défense, hélas, que ça soit l'ordre de l'alliance, je pense que tout le monde était très 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 chaud pour ça, mais, bah, à mon grand regret, les serveurs n'ont pas suivi. Voilà. Bah écoute, en vrai c'est un event qui est en soi grave cool et j'espère qu'on pourra le refaire en octobre avec grand plaisir en espérant que Blizzard puisse faire potentiellement quelque chose. Mais merci en tout cas pour l'orga de tout ça et puis au plaisir pour on croise les doigts. Il y aura d'autres events, ça sera toujours le même principe, des events par des joueurs, pour des joueurs. Vous verrez à chaque fois dans les bannières, il n'y aura jamais de streamer en route mis en avant, le but du jeu c'est de jouer avec vous, ni plus ni moins. Sincèrement. Merci encore Ponce, Asmodai, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Je sais, Retrast. Je sais, hein, pour les guildes. Trail, Ministre Tavern, 13. On remettra ça. Mais il va falloir mettre ça soit en petit comité, ce qui serait dommage parce que l'idée de limiter, en fait, imaginer la présence de gens, je trouve ça juste trop dommage. Donc bon. Encore un crash, alors que tu as l'histoire. J'ai pu voir ça, Code Dragon, effectivement. C'était juste ouf, quoi. Le but du jeu restera, c'est avant tout, tu vois, de... Je pense que tout le monde l'a ressenti quand, côté allianceux, vous étiez... Je sais pas, tiens, les Medivh Tavern, les Tribes et tout, côté allianceux, vous deviez être quand même au moins aussi, presque autant que nous, donc au moins 400, 500, si ce n'est plus. Ouais, je sais, Karox, mais imagine à organiser en termes logistiques, c'est monstrueux. Je sais bien, off, je sais bien.
1000 points, t'en es bien. Toujours 1000 points, toi. J'ai PDF et j'ai pas été payé à le coup. Et voilà, tout le monde est bienvenu. Et le but du jeu, c'est que je ne veux absolument pas. Le live continue, hein, évidemment, le live continue. Je ne veux absolument pas inviter vraiment à qui que ce soit. Go Ijal. C'est pas Ijal. On va dire l'argent plus que 500. Y'a pas de soucis, c'est pas un concours de vite. Que vous soyez 500, 10 000, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que ça fait super plaisir justement que vous soyez réunis aussi nombreux, les amis. Sincèrement, ça veut dire que vous étiez motivés pour défendre votre ville et qu'on se foute sur la poire. Et ça, c'est génial. Alors, Karyox, j'ai déjà organisé la com avec les autres villes. Vraiment. Là, dis-toi, Karyox, j'avais un chien côté Horde, je regroupais tout le monde. Mais imagine bien que organiser une attaque stratégique à différents points coordonnés et tout, ça demande. Bah, déjà, imagine que. Rien que nous, on est quand même dans la guilde, on est déjà 96 de co, tu vois. C'est vraiment. C'est considérable l'organisation logistique. Et ça prendrait beaucoup plus. Là, cet event-là, on l'a fait. Le temps de communiquer et tout, il nous a fallu environ 2 semaines de préparation. Juste pour un petit event comme ça, entre la communication, préparation de l'affiche. Préparation avec les différentes guildes et tout, c'est passé un peu de temps, tu vois. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ce qui est bien parce que du temps, on en a à l'infini, en fait, jusqu'à son trêve. Personnellement, j'aime la vie, donc autant rester longtemps en vie. Mais ce que je veux dire, c'est que tout prendra un peu plus de cette ampleur-là, ça sera compliqué. Ça perd, on ne peut pas mettre. Ça veut juste dire que ça prendra du temps. Donc voilà. Alors là, par contre, comment je lui raise? Je suis bien d'accord, Mura Stacker. Il s'est passé que les serveurs ont crashé, Barbe Groupe, bonsoir à toi. Les serveurs ont hélas crashé. Comment je peux rester là? Non, parce que là, il y a no way que je reste sans me faire éclater dans tous les sens, là, en fait. Que là, si je reste, je me fais instant dépop. Je me fais instant dépop, là, si je reste là. Merci, Wolfias, pour l'host. Remets le chat, IG, du coup. Yes. Attends, ouais. De toute façon, j'ai plus mes chats. Ah, mais c'est pour ça que je veux absolument pas limiter Nelis. Je te protège. Ah, ils m'attendent un peu, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un peu de stream hack. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a. Yes, Agroma, factuellement. Je crois qu'il y a un peu de stream hack. Pas sûr à 100%, hein, mais bon. Je crois que ça va être compliqué de raise là. Chouïa. Un chouïa. Attendez, hop, voilà. Faut voir dans le futur, analyste. Peut-être qu'il y aura peut-être moins de monde, peut-être que Blizzard fera quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai aucun contact avec Blizzard, aucune information avec Blizzard, rien du tout. Attends, on va essayer, hein. Ouais, même pas. Ah, voilà. Non, ça va être compliqué, là, pour elle. Non, là, ça va être compliqué, le reste. Salut, Fatal. Ça va être compliqué, le reste. Je reste. C'est pas grave. Non, ça va être trop chaud. Je vais débarquer, je vais bizarre. Je suis de la guide, IRA. De toute façon, je. Merci, Julia. Bonsoir à toi. Bonsoir à toute la guide. Ouais, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. C'était génial. Vous savez quoi vous savez, c'est quoi le pire? J'ai adoré chaque seconde, même. C'est pas grave que ça crache. Sincèrement, c'est pas grave que ça crache. On va aller à Orgrimmar pour voir un petit peu ça, mais c'est pas grave du tout que ça crache. J'ai quitté le raid. Hein. Parce que. On a rempli notre objectif. La question de cet événement, c'était quoi? Est-ce que Horde 2 comme Allianceux sont OP pour se foutre sur la poire pour rien? Il n'y a aucune récompense à la fin. Ni honneur, ni loot, ni argent, ni rien. Et des centaines, peut-être des milliers de personnes ont répondu à l'appel. Ça, c'est le premier point qu'on voulait vérifier. C'est le premier point. Le deuxième point qu'on voulait voir, c'était est-ce que les gens... Attendez, hop là. Est-ce que les guilds, tu vois, ça gagne d'être solidaire et tout? Oui, aussi. C'est génial. On est monté à 1000 viewers, Ferlina. On est monté à 1000 viewers aussi sur la chaîne, mais ça c'est encore après. Faut quand même que vous allez dire sur massacre. Ça, c'est le serveur. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir
de voir que les gens allianceux comme Horde ont répondu à l'appel de cet événement. Et c'est ça. Ça signale à Blizzard qu'il faut, ok, que les joueurs de Sulfuron sont prêts pour se foutre sur la gueule, sont prêts pour organiser les choses, sont prêts pour transformer classique comme ce qui doit être réellement, à savoir un sandbox PVP incroyable. Oui, classique est un